Donc nous, on est mandataire d'un groupement pour la démolition de la première tour Kepler, mmh. donc qui consistait à curer, désamianter, démolir, remblayer l'ensemble de la parcelle. Les travaux préparatoires, on avait à peu près 5 semaines de curage, c'est-à-dire on a enlevé l'ensemble des matériaux qu'on ne peut pas recycler dans le cadre du concassage, le plastique, le bois, le plâtre. Les fenêtres par exemple. Voilà, le PVC. Dans un second temps, on a fait le désamiantage. Donc là, il y avait 6000 m² de cloisons plâtre amiantées et de mémoire 5000 m² de dalles de sol école amiantées. Donc on avait quasiment 5 à 6 mois de travaux de désamiantage quand même à 8 personnes. Et donc aujourd'hui, on démarre la démolition de la tour. Donc on va entamer sur environ 3 semaines d'abattage. Donc 3 semaines pour déconstruire la tour entièrement. Après, il y aura 2 semaines de broyage et d'évacuation des gravats. Donc l'ensemble des gravats seront évacués sur notre plateforme Lignonel Environnement, où on va concasser et recycler l'ensemble des matériaux. Et après, on va tourner en contre-voyage et on va du coup remblayer avec les matériaux de la tour. Mais on a choisi de ne pas concasser sur place pour éviter le maximum de nuisances pour les riverains.